Bruxelles, dont nous voyons quelques images défiler sous nos yeux, l'hôtel de ville, Saint-Michel, patron de la ville, la colonne du Congrès, la Bourse, accueille en ce mois d'avril 1960 les sportifs militaires de 15 nations qui vont disputer le 10e championnat de cross-country du CISM. La Finlande participe pour la première fois au championnat du CISM. À son arrivée, la délégation est saluée par le lieutenant-colonel Wendell. Au cours du dîner de bienvenue, les liens d'amitié unissant les pays membres du CISM vont se renouer et de nouvelles affinités vont se découvrir. Au stade des Torbeck, les équipes participent à un dernier entraînement. Citons les Pays-Bas, la Grèce, Radi, France, les États-Unis, Après cette ultime préparation, les crossmen retournent à l'hôtel prendre un repas bien mérité. États-Unis, Allemagne fédérale, Autriche, Belgique. Luxembourg, France, République arabe unie, Pays-Bas, Irak. L'après-midi ensoleillé incite à la promenade. Aussi, les équipes en profitent-elles pour visiter la ville. Leur fait découvrir le jardin botanique. Le monument aux soldats inconnus. Le Parlement. Le parc de Bruxelles. La collégiale Sainte-Gudule. Cadre admirable de la Grand Place. La maison.
droit. La place de Brouckère. La place Rogier. Et voici le jour du cross, à la plaine des manœuvres des Turbets. Son Altesse Royale le Prince Albert rehausse de sa présence cette compétition. Il est accueilli par le président du CISM. Le colonel de Bruce déclare le championnat ouvert. Les chefs des délégations sont présentés au prince de Liège. Septante-six coureurs prennent le départ. Le cross comporte plusieurs boucles. Dès le début, Radi, de l'équipe de France, a pris la tête, suivi de Clercq, Belgique. Le soleil nous gratifie de ses rayons printaniers, mais les jours précédant le cross, de fortes pluies avaient détrempé le sol et les concurrents peinent dans la boue. Au troisième passage, le saut de la rivière. Les premiers ne seront plus inquiétés. Et à l'arrivée, voici Radi, France, grand vainqueur en 24 minutes 6 secondes, suivi de Clercq, Belgique. Les 10 premiers sont rassemblés pour la remise des prix qu'ils vont recevoir des mains de Son Altesse Royale, qui les félicite, ainsi que M. Gilson, ministre de la Défense nationale. Remet le challenge au colonel de Bruce, qui le donne à l'équipe française classée première.
descente, des couleurs. Le président du CISM annonce la clôture du championnat. Et cette magnifique journée se termine par le défilé d'un escadron de la gendarmerie, en une apothéose colorée par les drapeaux des pays amis, Finlande et Irlande, et des 24 pays membres du CISM. Et voici les résultats. Le lendemain, une excursion emmène les équipes à Anvers. L'atomium, clou de l'exposition universelle 1958. L'arrivée à Anvers. L'Escaut. Un bateau franchit l'écluse du Kreuzkamm. La tour de l'église Notre-Dame. La statue de Brabo. La boutique aux souvenirs a naturellement quelques clients. La promenade le long des quais. Et c'est le retour à Bruxelles par le tunnel sous l'Escaut.